potes, c'est Dévié. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, les amis, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et moi, je te laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, les amis, nous nous retrouvons sur Brookhaven pour réagir ensemble à la nouvelle mise à jour. Du coup, ça veut dire qu'apparemment, il y a deux nouvelles maisons. Du coup, on va découvrir ça ensemble, les amis. Du coup, je vais poser la première maison. Ah d'accord, il y a une maison premium et une maison non premium. Du coup, nous allons visiter celle qui n'est pas premium. Du coup, voilà. Waouh, en plus c'est rouge et tout. Oh, j'aime trop. Oh, j'aime trop. Du coup, on va analyser l'extérieur avant l'intérieur, les amis. Ah ouais, il y a une petite allée avec un petit pont. Il y a de l'eau et tout. Oh, sympa, des buissons. Un petit barbecue. Ah, oh, j'aime bien. Genre, oh, c'est quoi ça? Ouah, on peut mettre un petit feu. Oh, c'est trop beau. J'aime bien le petit côté. Le petit côté. Voilà, j'aime bien. Enfin, avec le barbecue et tout, j'aime trop. Après, du coup, ah ouais, une petite terrasse. Genre, on peut s'asseoir et tout. Ouais, c'est stylé de ouf. Hein. Oh, j'aime trop le pont qui amène jusqu'à la porte. Là. Donc, genre, ça fait trop bien. Ah ouais, mais par contre, à l'intérieur, c'est petit, hein. Ah ouais, c'est petit, hein. On peut annuler la télé. Le salon, il est très petit. Ouais, tout est petit, hein. Ouais, l'entrée, ça va, mais c'est vrai que c'est petit. La cuisine, c'est vraiment très, très petit. Donc, je comprends pourquoi c'est pas une maison premium. Donc, c'est vrai que c'est très, très petit. Bon, la salle de bain, j'aime bien. Sympa, la salle de bain. Franchement, sympa. Du coup, les amis, nous allons passer en haut. Du coup, en haut, ça donne quoi? D'accord. Ah, d'accord, il y a deux lits. Il y a un lit ici, sympa, avec les grandes vitres, là. Waouh, c'est trop beau. En plus, on voit les arbres qui sont tout autour. Genre, il y a plein d'arbres. Mais, ouais, c'est trop beau. J'aime trop. Là, on peut choisir nos petits vêtements, une petite lampe de chevet, enfin, un petit chevet, pardon. Et genre, ici, ouais, il y a un canapé, non, un petit fauteuil, pardon. Un petit fauteuil, enfin c'est sympa, j'aime bien ce côté avec des grandes vitres. En plus il y a des lumières jusqu'au long, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, enfin ça fait tout le long, ça fait trop beau. Enfin, j'aime cette maison, franchement. En plus elle est mimi, genre elle est toute petite et tout. Ouais, j'aime trop. Du coup, si je donnerais une note sur 10 sur cette maison, je donnerai une note 7 sur 10, c'est plutôt pas mal. Donc dites-moi votre avis dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez de cette maison, si vous aimez tout ça, vous me dites tout en commentaire. Oh regardez, on croirait que je tire mon ventre. Je crois que je suis enceinte, lol. Donc voilà. Ouais, ici on peut garer une voiture. Par contre, il n'y a pas de garage. Ah ouais, enfin, il n'y a pas de garage et rien. On peut juste garer la voiture et puis c'est terminé, quoi. Ok. Du coup, les amis, nous allons passer à la deuxième maison. Donc voilà, les amis, nous allons passer à la deuxième maison, celle qui est premium. Désolé pour toutes les personnes qui n'ont pas ce pass ou qui n'ont pas de Robux. Je suis vraiment désolé pour vous, mais je veux bien vous la présenter quand même. Voilà. En vidéo. Donc les amis, au fait, si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu en bas des commentaires, ça me fera énormément de plaisir. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir à quoi ressemble cette maison qui est premium. Du coup c'est parti. Déjà, ouais, l'entrée c'est pas trop ça. Genre ils auraient dû mettre des, vous voyez, des petits trucs sur les côtés pour éviter de basculer, tu sais, et tomber sur le côté. Après, je sais que on est dans un jeu, mais genre, ils auraient dû faire un peu plus réaliste que ça. Ah ouais, d'accord, il y a la piscine en dessous et tout. Ouais, ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Le garage, on va voir après, les amis. Nous allons passer en haut. Ok. Ah ouais, déjà, là, c'est beaucoup plus grand que l'autre maison. Ah ouais, genre, ici, j'adore, ici, le petit coin. Ouais, j'aime bien. Franchement, la cuisine, elle est pas mal. J'aime trop. La petite table et tout. Ah ouais, j'aime trop. C'est trop beau, genre. Par contre, la table, je l'aurais pas mis à côté de la porte d'entrée, genre. Voilà, je l'aurais pas mis ici.
Le côté salon aussi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Elles ont mis des deux petites enceintes à la télé. Ouais, j'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Là, ok, on peut allumer un petit feu. Ok. Ah, j'aime trop. Genre, ils ont rajouté un petit balcon. Et ici, ils ont rajouté un petit hamac. Genre, on peut s'allonger et tout. Waouh. On a juste l'impression qu'on croirait un petit poids dans. On croirait un petit pois dans sa coquille, genre. Non, pas un petit pois, un haricot, genre. On croirait un haricot. Quand vous mettez dedans, on croirait trop un haricot. Ok, je referme. Ouais, ça fait. C'est. Franchement, c'est. J'adore. Du coup, après, d'accord, la petite salle de bain. Oh, les amis, j'ai trouvé un passage secret. Ah, il est là, le coffre. Bon, bah voilà, les amis, si vous savez pas, le coffre, il est juste derrière la douche. J'aime trop. Bon, on a trouvé le premier secret. Bon, les amis, je suis d'accord. Je ne fais pas beaucoup les secrets des maisons pour trouver les petites cachettes, tout ça. Mais c'est pas trop mon truc. Je préfère juste vous présenter les maisons premium et les maisons non premium. Les voitures. D'ailleurs, tout à l'heure, les amis, nous allons voir qu'ils ont fait une grande mise à jour à part deux maisons. Ils ont fait plus que ça. Enfin, ils n'ont pas rajouté que deux maisons. Ils ont fait vraiment une grande mise à jour. Donc, nous allons voir juste après pour les véhicules. Du coup, nous allons monter à l'étage. Ok. Ouais, j'aime trop. Genre, ça. On voit l'entrée et tout. On peut surveiller et tout. On peut surveiller la porte d'entrée. Là, il y a deux lits pour les enfants avec un petit ordinateur. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Oh, on a retrouvé un livre ici. C'est vrai que c'est bizarre qu'il y a des livres un peu partout. Genre, ah, j'aime bien la petite chambre avec les. Ouais, j'aime tout. Genre, j'adore cette mise à jour. Ah, il y a un balcon là. Waouh, il est grand celui-là. Par contre, j'aime pas trop qu'il soit noir. Ils auraient dû changer la couleur, tu vois. Ils ont mis un autre balcon là. Ok. Ah, tous les deux s'amènent. Enfin, tous les deux et ensemble. Ok. Du coup, ok, d'accord. Pas mal la salle de bain, mais pas mal du tout. Est-ce qu'il y a un petit endroit où on pourra passer un passage secret ou autre? Non, il n'y a rien. Ah, je suis aux toilettes. Du coup, les amis, nous allons passer au véhicule de la nouvelle mise à jour. Enfin, c'est pas vraiment nouveau, c'est des véhicules qui datent d'Halloween. Mais je crois qu'ils vont les enlever parce que, genre, c'est des véhicules d'Halloween. Genre, vous voyez tous les véhicules, attendez, tous les véhicules qui sont là, genre, vous pouvez vous en servir, même si vous n'avez pas fait les petites missions d'Halloween, genre. Maintenant, vous pouvez les utiliser et tout. Mais par contre, il faut en profiter tout de suite parce qu'apparemment, ils vont enlever tous les véhicules. Du coup, vous allez plus pouvoir les utiliser. Enfin, vous allez plus les voir non plus. Mais celle-ci, c'est ma préférée. Genre, en rouge, ça ferait trop bien. Ah, j'aime trop. Du coup, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et moi, je te laisse regarder mes anciennes vidéos. Ma dernière vidéo, c'est celle d'Adopt Me. Je te la mettrai à la fin de cette vidéo, si tu veux. Et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. Nous sommes déjà à 1005 abonnés. Donc, merci beaucoup à toute la communauté. Sur ce, c'était Davy. Ciao.